bien parti pour cette cinquième épreuve, sauf pour Afdic. Et à l'avant, Shadowing, donc en trombe, devant The Ike Factor. Puis on retrouve Prince of Venice, Seattle Kid, il y a Silken Prince, Liverpool Champ, Royal Italian, Dropkick, Sir Bernardini et Afdic qui doit se rattraper après son départ raté. Donc Shadowing va contrôler aux abords du tombeau malartique cette course devant Prince of Venice. Seattle Kid va tenter de se placer. The Ike Factor également bien parti. Puis il y a Liverpool Champ, Silken Prince, Royal Italian, Dropkick, Afdic et finalement Sir Bernardini avec toujours Shadowing, donc bien en tête de cette épreuve. Prince of Venice suit très bien de sa foulée. Seattle Kid également en main, mais qui n'a pu se placer. Il fait toujours l'extérieur de Prince of Venice, The Ike Factor. Puis on retrouve Liverpool Champ derrière Silken Prince, Dropkick, Royal Italian, Afdic et Sir Bernardini. Les chevaux ne vont pas tarder à tourner dans la ligne droite finale avec Shadowing déjà sous la menace de Seattle Kid, Prince of Venice. Liverpool Champ va se rapprocher également. Shadowing est parti sous la selle de rail Jurawan. Seattle Kid à sa poursuite complètement à l'extérieur. Dropkick qui tente de bien conclure. Mais à l'avant, Shadowing ne va pas être attrapé. Shadowing et rail Jurawan assurent tranquillement devant Prince of Venice ou Dropkick ou Liverpool Champ à l'extérieur. En tout cas, c'est chaud pour la deuxième place, mais Shadowing offre un doublé heureux à Rai Jurawan en cette première journée. Donc, le plus dur était fait. Aussitôt le départ donc donné, Shadowing en trombe s'est retrouvé en tête de cette épreuve, a contrôlé la course à sa guise et regardé en pleine ligne droite. Il assure, malgré la menace derrière, suivi donc de Prince of Venice, Seattle Kid, Dropkick, Afdic et autres à l'extérieur. Liverpool Champ a bien débuté. Jurawan s'est peut-être rabattu un peu vite à la corde au départ. On entendait crier Nabil Bachamia sur The Ike Factor, mais Shadowing va s'en aller jusqu'au bout. On va voir, je crois que Dropkick avec Alvin Roy va venir prendre la deuxième place, ou peut-être lui ou Liverpool Champ, c'est assez pointu. Derrière Shadowing monté par Rai Jurawan. Coursier redoutable dans la course à l'avant. Oui, en l'absence de coursier véloce dans cette épreuve, il était dit qu'il allait avoir donc une tâche a priori assez aisée de se retrouver en tête et de contrôler, laisser venir derrière. C'est ce qui s'est passé justement. Et Rai Jurawan nous offre un joli récital pour ouvrir la saison hippique 2021.